Salut à tous les gens, c'est Mikeshi, aujourd'hui on se retrouve pour une petite squad builder. Et d'où le nom du titre de la vidéo. Et bah, on va la faire en argent, ouais, parce que c'est vrai que l'or c'est bien, mais l'argent c'est bien aussi quoi, c'est bien. Bon là, l'or c'est mieux, c'est vrai, mais faut pouvoir un petit peu varier ses plaisirs, comme on dit. Alors, on va tout de suite commencer la vidéo, parce que on n'a pas que ça à foutre, voilà quoi, parler tout le temps. Donc vous allez voir la nationalité, c'est du Colombien. Parce que moi j'adore les équipes colombiennes hein, depuis FIFA 13, FIFA 12, je veux dire, j'adore en faire. Bon, normalement elles sont pas en argent, hein, c'est de l'or, avec un petit peu d'argent, et puis un petit peu d'hybride en défense. Bon. Mais bon, là c'est que de l'argent, donc on dirait qu'on commence tout de suite avec le gardien. Bon, c'est peut-être un petit peu le point noir de cette équipe, le gardien est vraiment bidon, hein, sincèrement. Donc j'ai fait 7 matchs en tout avec cette équipe. Ok, donc là, on va passer donc, oui, Pereira. Alors, Pereira, les gars, c'est juste un monstre. C'est juste un monstre. 80 de vitesse, 80 de physique, 74 de défense. C'est un monstre, que ça soit dans le monde de l'or ou de l'argent, c'est un monstre, tout simplement. Olaf, c'est pareil. Olaf, deuxième défenseur. Moins fort que son coéquipier. Physiquement, il est là, défensivement, moins là. Vitesse, il est là aussi. Défenseur gauche, Benitez. C'est vrai que j'aurais pu prendre... Comment ça s'appelle déjà? Zuniga ou... Armero, mais au niveau du prix c'est pas pareil, regardez, je l'ai déjà acheté 1500 crédits, les autres valaient dans les 15-19 000, donc voilà, c'est pas pareil, après à votre guise de le prendre, bien entendu. Attendez, par contre c'est pas de cette formation quoi, qu'est-ce que c'est pas cette formation, putain, elle est où ma formation, voilà, alors là c'est du 4-4-2, on verra qu'on peut la mettre aussi en 4-1-2-1-2 que j'ai fait des fois, en mettant juste un MOC à la place d'un MC, donc en milieu gauche. Ah putain, j'en ai marre de jamais les acheter à leur poste, c'est con. Attaquant gauche, Castillo. Moi j'ai pas fait 13 matchs, j'ai fait 7 matchs en tout avec cette équipe, mais bon, c'est un bug du jeu. Donc 3 passes, 3. J'en sais pas si c'est ça, mais bon. Vas-y, alors, qu'est-ce que je peux dire sur lui? Bah 91 de vitesse, 77 de dribble, 4 étages de technique, 4 étages de pied. En tant qu'ailier, c'est quand même très fort. Milieu central, Ramirez. Vous avez vu le deuxième milieu central. Ramirez, rien à dire, hein, il est vraiment très très complet. Et lui, alors le jeu je connaissais pas et finalement je l'adore. À part offensivement, il est bidon. Hein. 7 matchs, 1 but. Mais offensivement, 7 matchs. Alors 7 matchs, c'est vraiment les stats parce que des 7 matchs, bah, ils ont tous 7 matchs à part. Arias, son défenseur droit, 33 matchs, c'est pas ça. Mais bon, alors lui, très très complet. Hein. Très complet. Hein. Il joue PSV. Ah putain, alors attaquant, c'est un joueur que j'aimais bien dans les autres FIFA. Je pouvais pendant MOC aussi en buteur, il était dans les autres FIFA, il avait 5 étoiles je crois. 87 de vitesse, 77 de dribble, c'est un peu comme Castillo, on va dire. C'est très fort. Alors dans les buteurs, non on va pas passer à lui parce que... vite parce que voilà, Rizala, je connaissais pas non plus, 88 de vitesse, 78 de physique, j'ai dit ça aurait pu être un... Un très bon buteur, même si j'ai pas énormément marqué avec lui. Il a des bonnes stats. Et là, on passe à ma petite pépite. J'ai nommé Luis Muriel! Parce que j'adore Luis Muriel, c'était mon joueur préféré dans les autres FIFA. Même si je l'ai pas énormément joué dans ce fut parce qu'il était argent, il valait assez cher. 30 000 crédits. Et bon, maintenant il a baissé, tu vois. Mais je dis tu vois, non mais. Vous voyez, je voulais dire. Voilà, 88 de vitesse, 84 de dribble, 73 de tir. Il a pas beaucoup de physique, mais 4 étages, j'étais un 4 étages mauvais pied. J'aurais pu faire une review sur lui tellement il est cheaté. En tout cas, dans les autres FIFA, il était cheaté, dans lui un peu moins. Mais ça reste du lourd. Alors maintenant que je vous ai montré, attendez, on va mettre un petit entraîneur. Sinon, c'est quoi? Est-ce que j'ai un entraîneur colombien? Je dois en avoir un. Fernando. Hop! Vous avez vu? On dirait que c'est moi qui l'ai cheaté, quoi. Regardez. Ils ont même pas trouvé une image PNG, ils l'ont mis avec une petite image blanche derrière, c'est très mignon. Voilà, donc c'était tout les gars pour cette équipe. À proprement parler, comme j'aime bien dire, on va passer maintenant au petit gameplay pour voir si cette équipe, bah, elle est forte ou elle veut plus la merde. Attendez, j'ai oublié un truc. Si on passe en... Putain, faut que je retrouve le truc que j'ai fait des fois. Mais hein, je sais pas où c'est, 4-1-2-1-2, non c'est pas là. 4-1-2-1-2, si on passe comme ça donc... Vous pouvez virer un des MC et remplacer le MOC par Cardona.
Alors, il y en a d'autres des MOC, mais moi j'ai choisi Cardona parce qu'il a des 4 étoiles et des 4 étoiles. Voilà. Et il est pas mauvais. Donc voilà. On peut le prendre en une forme, il est en une forme. Voilà, c'était tout les gars pour cette équipe. Maintenant, à proprement parler, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, que j'avais oublié, que j'avais voulu vous montrer un petit truc en plus. Maintenant, on passe au gameplay! PAH!